الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: نزل على قلبك لتكون من المؤمنين بلسان عربي مبين. الله سبحانه وتعالى dit dans le Coran al-Karim: c'est un livre que nous avons fait descendre sur ton cœur pour que tu fasses part, pour que tu fasses partie des croyants. Et ensuite il ajoute juste après: بلسان عربي مبين, avec une langue qui n'est autre que la langue arabe. Allah subhanahu wa ta'ala fait le lien entre la langue arabe et l'une des choses qui est la plus sacrée aux yeux des musulmans, qui est le Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala fait volontairement ce lien entre la langue arabe et entre le Coran pour nous montrer l'importance de la langue arabe. Parce que la langue arabe, c'est la clé du Coran. C'est avec la langue arabe que tu vas comprendre le Coran al-Karim. C'est-à-dire que tu peux lire une traduction, tu peux lire un exégèse en français, mais tu n'auras jamais le sens qui est contenu dans le Coran al-Karim en langue arabe. Alors là, on a un premier aperçu de l'importance de la langue arabe. Ensuite, la langue arabe, c'est la langue que tu parleras au paradis, Inch'Allah. Lorsqu'on entrera au paradis, Allah, le prophète, alayhi salatu wasalam, nous informe que la langue qui sera parlée sera la langue arabe. Alors si tu veux faire partie de ceux qui comprennent et qui parlent la langue arabe, il faut que tu l'apprennes ici, dans ce monde. Et ensuite, la raison, l'une des raisons également, qui est l'une des raisons les plus importantes, c'est que si tu veux comprendre la science, si tu veux comprendre l'ilm, tu n'as d'autre choix que de passer par la langue arabe. Tu veux passer par le français, mais tu n'auras jamais la science telle qu'elle a été révélée au prophète, alayhi salatu wasalam. Si tu veux la science, tu dois apprendre la langue arabe. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement pour vous inciter à rejoindre le site du frère Mustafa Abu Umam, qui est www.l'oasis-de-l'excellence.com. Mustafa Abu Umam est quelqu'un qui met à votre disposition des cours qui sont de très bonne qualité. Comme vous le savez, Mustafa Abu Umam est quelqu'un qui maîtrise parfaitement la langue arabe et qui maîtrise parfaitement la pédagogie. C'est quelqu'un qui va vous faire apprendre la langue arabe, et c'est quelqu'un surtout qui ne va pas vous lâcher. C'est pas quelqu'un qui va vous donner la théorie et ensuite vous lâcher. C'est quelqu'un qui va vous suivre vraiment jusqu'à la fin pour que vous maîtrisiez la langue arabe. Et vous donne pour cela quelques années, je pense 3 ans, pour être bilingue. Vous avez la capacité d'être bilingue. Et ce qui m'a le plus plu dans ce concept, c'est que vous êtes chez vous, vous ne vous déplacez pas. Mustafa Abu Umam est derrière sa caméra, et vous êtes chez vous, derrière vos ordinateurs, et vous apprenez la langue arabe selon votre convenance. Vous pouvez choisir votre emploi du temps avec lui, vous prenez un rendez-vous avec Mustafa Abu Umam, et vous apprenez la langue arabe. Alors je vous invite dès à présent à aller sur www.l'oasis-de-l'excellence.com, à vous inscrire, à voir les modalités, vous inscrire, Inch'Allah, au plus vite, parce que les places vont être limitées. Vous inscrivez au plus vite, Inch'Allah, et vous apprenez cette noble langue qui est la langue arabe. Barakallahu fikoum pour votre écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.